Allez, re le live, re tout le monde. Donc là, on se retrouve sur Watch Dog Légion. Voilà, bon, je sais pas si vous vous souvenez un petit peu, on avait remonté la piste de Mary Kelly. Voilà, c'est Mary Kelly. Cette. Voilà quoi. Du coup, qui s'amuse à mettre en esclavage les habitants de la ville de Londres. Et après, à les vendre sur le marché, enfin tout ça. Enfin bref. Donc voilà, maintenant, il faut neutraliser cette coquine là qui. Qui fait des choses salaces. Qu'est-ce que t'as, Mistinguette, là, que tu viens me voir? Allez, file. Non mais oh, file, 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 file. Je te jure, les femmes, hein, c'est toutes les mêmes. Hein. Calme-toi, s'il te plaît. Pourquoi? Calme ta joie. Bah, les femmes, c'est toutes les mêmes, ouais, 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 ouais. Calme ta joie. Mon clavier est en train de mourir. Vous êtes prêt pour une nouvelle mission? Je suis prêt. Comme d'habitude. Aurez-vous besoin de renfort? Quoi? T'es sérieux? Allez, on y va. Étant donné que nous sommes en train d'attendre que Mary Kelly nous invite cordialement à sa petite fête décadente, nous pouvons nous concentrer sur l'essentiel, résoudre le mystère de Zero Day. Qui sont-ils et pourquoi ont-ils fait porter le chapeau à DedSec pour l'attentat? On a quoi, Bagley? Merci de me le demander. Aujourd'hui, le grand commissaire Bagley a deux pistes pour ses fidèles acolytes. Évidemment, il faut enquêter sur Albion, mais j'ai une autre piste à vous mettre sous la dent, plus inhabituelle. Il y a ce groupe d'activistes sur le Dark Web, les 404. Mais ils ne font pas ça juste pour le LOL, n'est-ce pas? Ils militent pour une refonte brutale de la société par tous les moyens nécessaires. Cela vous semble familier? J'ai plusieurs choix, alors. Je vous marque les deux sur votre optique. Ok, donc mission initiale de séquence 0. Ok. On va faire une brèche dans l'armure de Albion. Oh, c'est quoi cette voiture? Londres, ici 404, le premier réseau d'activistes peer-to-peer. Vous êtes tous les bienvenus. Ensemble, changeons les choses. Rejoignez-nous. Éliminons l'élite. Contrat après contrat. J'ai trouvé ça sur le Dark Web. On dirait que tous les gamins un peu cool créent des groupes de hackers. Mais ce 404 pourrait s'avérer très utile pour nous. Si tout le monde est le bienvenu, ça veut dire que nous aussi. On les infiltre, on prend leur carnet d'adresses et on leur pique leurs ressources. Si vous la jouez finement, peut-être vous aideront-ils aussi à éliminer Zero Day, à moins qu'ils ne soient Zero Day eux-mêmes. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. J'ai trouvé sur le net des images d'un hub CityOS recouvert de graffiti 404. La voiture, elle est bien. Bah ouais, mais bon, j'attends mon objectif. J'embarque leur territoire comme un chihuahua en rut. Je vous invite. C'est quoi le nom de la madame qui te parle? Je sais pas du tout. Ah, mais du coup, c'est moi. Ok. C'est mon qui te dit quoi faire. Une brèche dans l'armure. Mission commencée, une brèche dans l'armure. Participer au briefing de l'équipe. Merde. Qu'est-ce pas là? T'as récupéré toute ton équipe de plus près sur le gros gibier du jour, Nigel Cass, okay. Militariste milliardaire et actuel PDG de nos barbares préférés. Les... Oh putain, waouh, c'est loin. Ok. On va se friter avec le PDG d'une société militaire privée qui a pour but de protéger Londres. Ça a l'air plutôt débile sur le papier. J'espère qu'on a un meilleur plan que juste frapper à la porte. Oui bah, faut arrêter de vous mettre devant moi les gars. Hein. Excusez-moi deux secondes les enfants, parce que j'ai... Donc il me pète les coucougnettes. Voilà, c'est bon. Allez, on continue. Yeah.
La tuture, elle va vite. Reste attentif sur les commentaires, Asten. Asten ? Oui, oui, t'inquiète. Y'en a pas. J'ai abîmé ma super voiture. Mmh, je l'aimais bien en plus, sa voiture. J'aimais pas trop la couleur, mais. Ok, on y est. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Oui, t'es belle, t'es très belle, tu le sais. Bien, parlons un peu d'Albion. La seule organisation capable d'appliquer autant d'oppression sur le monde en développement que le gouvernement britannique. Donc, dirigée par Nigel Cass, un visionnaire charismatique selon certains médias, mais un criminel de guerre selon Amnesty International, Albion a reçu les clés de la ville pour rétablir l'ordre après les attentats. Je trouve que le timing est louche, personnellement. En effet, raison de plus pour trouver un moyen d'attaquer Nigel Cass. Nous en avons trouvé un. Son nom est Amish Bolaji. Né à Londres, Bolaji a reçu à 14 ans une bourse pour un cursus technique à la Fondation Cass, qui incluait un tutorat de Cass en personne. À 16 ans, Bolaji lui a conçu sa première flotte de drones. Anecdote amusante, Cass a repoussé le lancement d'une semaine pour qu'il tombe le jour de l'anniversaire de Bolaji. Cass est donc comme un père pour Bolaji. Pourquoi est-ce qu'il nous aiderait? Ils se sont disputés après un incident dans le delta du Niger il y a 3 ans. Une enquête des droits de l'homme accusait Cass d'avoir envoyé des drones pour éradiquer un village s'opposant à la construction d'un pipeline. Mais les drones sont tombés en panne avant d'y arriver. Bolaji les aurait sabotés. Il est en cavale depuis, mais les données de traçage indiquent qu'il est de retour à Londres. Putain, il veut se racheter comme avec les manifestants. C'est lui qui a conçu les drones de Cass. Je crois qu'il cherche à désarmer Albion. Il couvre bien ses traces, en tout cas, mais cela semble plausible. Malheureusement, selon ce rapport de renseignement d'Albion intercepté par notre ami Caitlin Lowe, Cass sait que Bolaji est à Londres. C'est là que vous entrez en jeu. Contactez Bolaji avant qu'Albion le trouve et convainquez-le que Cass est notre ennemi commun. Donc ce mec est notre meilleure chance d'arrêter Albion et de sauver notre image. Et la plus grande milice privée du monde veut le tuer. Pas mal comme pression. Ok, ok, ok. C'est dommage qu'on peut pas dire genre à un mec. Vas-y, viens avec moi, quoi, t'sais. Le plus de chances de tomber sur Amish Bolaji. Je vous ai mis les coordonnées. T'as pas assez d'argent pour ça. Amish au Battle Stream. Engage dans l'armure. Attends, on va voir. Il faut aller loin. Ok. Ça va, on est classe là, t'as vu? On a du style. Donc costard et tout. La voiture est toute cassée. C'est pas grave, elle roule encore. Voilà, elle sera un peu plus cassée. Oh, mais... Tu sais qu'au défendu, t'es vraiment nul sur ce jeu. Dégueulasse. Non, mais c'est vrai. Bah ouais, mais elle se jette sous mes roues, mais arrêtez. C'est pareil que Starbucks est pas là, il te l'aurait déjà dit. Les crimes contre les minorités ont explosé. Espèce de brute!
Ouais, je sais. Ah, elle freine pas par contre la bagnole. Hein. J'ai mis son nez dans les affaires d'Albion, discrètement bien sûr, mais j'ai pu déterminer que la majorité de ses activités émanait de cette zone. C'est l'occasion d'aller dire bonjour. Pas si vite. Amish n'est pas chez lui d'après son système de sécurité. Et avant que vous ne fassiez n'importe quoi, sa porte d'entrée est reliée à un ensemble de pièges conçus pour liquider toutes ses données ainsi que vous-même. Pas forcément dans cet ordre. En même temps, vous êtes une tête brûlée qui cherche à s'introduire chez lui avec des armes. Bref, vous devriez pouvoir vous connecter au réseau local pour utiliser les caméras de sécurité et désarmer ses pièges. Ouais, c'est compris. Alors comment je peux faire pour entrer chez lui? Tu rentres chez les gens par effraction maintenant, toi. Bravo, t'apprends des belles choses. Je pense que l'interface principale se trouve sur le toit. Je regarde les fenêtres. Je peux essayer de passer par l'une d'elles, Bagley? Bien sûr, si vous pouvez les atteindre. Il y a trois options. 1. Vous servir de l'échafaudage. 2. Trouver un drone de construction. 3. Abandonner, rentrer chez vous et faire des mots croisés. Ok, bien sûr. Ah, je prends la troisième. Et où est l'échafaudage? Si je shoot là, je vais tomber en flotte, ok. La gueule, connasse. Mais j'ai rien dit. Pas toi. Ah, excuse, l'habitude. Pardon. Ah, il me faut un drone de livraison.
Allô. Salut. Avant que tu demandes d'où je pas escape. Désolé, mec de merde. J'avais dîné. Tu lui as comme tout cassé ses rêves, ses espoirs et tout. Bon, ça a été compliqué, escape. Ouais. Ouais. Moi, j'ai reçu mes retours d'assurance. Il y en a un tabarnak. Personne n'a pris mon stock. Personne. Ah bah tant mieux au moins. C'est ça quand ton stuff c'est du caca. Bah voilà. Ouais, exactement. Bah c'est bien. J'en trouve tout. Ça me coûte rien m'équiper. Salut, à plus tard. Juste un truc. Ok. Ah, regardez autour. Bah, j'ai un œil sur les commentaires. Hein. On sait jamais. Arrête. What the fuck? Dagli, tu rigolais pas pour les pièges. Vous pourriez rétablir le courant afin de désamorcer les pièges. Ok, bien sûr. Je reviens, ce sera pas là. Ça roule. Ah, je sais pas d'où est là. Alors, tac, tac, tac. Alors, voyons, donc là. Ah ouais, d'accord. On a celui-là. Et celui-là, faut qu'il y ait les deux qui passent par là. Ok, okay, je crois que j'ai l'idée. Voilà, sauf que là, faut que ça passe par là. Ok, donc là, on a déverrouillé. Nickel. On va faire. Et là, faut que ça passe. Voilà. Ok. Nickel. Là, maintenant, on a un point. Donc là, hop, il faut que ça passe par là. Tac.
Là on est bon. Sauf que maintenant faut arriver à faire passer le courant. Voilà. Et non, c'est pas ça. Alors attends. Ok, donc là ça passe comme ça, ça va dans ce sens là. Voilà. Ok, impeccable. Piège désarmé. Maintenant, si vous passez par la porte d'entrée, vous risquerez moi de vous faire trucider. Ah ouais, d'accord. Il a pas le temps le mec. C'est pas moi qui l'ai fait un passage. Je me suis juste approché du bord pour voir. Mais lui il a dit bon, fuck off. On saute. Bouge d'un centimètre et je fais sauter tout le bâtiment et toi avec. Tout doux, on se calme. Dis-moi qui t'es. Et ce que tu fais chez moi? T'es d'Albion? Non, non. On est plutôt le pire cauchemar d'Albion. Quoi, Detsec? C'est ça, oui. Et moi, je suis Che Guevara. T'es foutu. Attends. Albion sait que t'es à Londres. Alors bute-moi si tu veux, mais tire-toi vite. Oh, bordel. T'es pas en train de m'étonner. C'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai été con, bordel! Bon, écoute, cas c'est pire que tu l'imagines. Crois-moi, on le sait. Pourquoi je risquerais ma peau ici, sinon? Hein? Peut-être parce que Nigel Cass te paye. C'est bien la méthode des mercenaires. Écoute, on a besoin de toi. On n'est pas avec Cass. Il a essayé de nous buter et en plus, il a participé aux attentats. Je peux même pas imaginer! T'as pas idée de qui il est, Cass, et de ce que... Allez, merde. Vas-y, bonne nuit, Litam. Une unité d'Albion fonce vers toi. On dirait que tu montais pas là-dessus. Merde, réfléchis. Oh, ok. Allez, va-t'en. On verra ça plus tard, je vais la regarder. C'est bon, vite. Aïe. Mauvaise pioche, putain! Allez, mais grimpe possible! Bah ouais, mais. Putain! On a perdu un agent, donc il a été arrêté. Bon. On va reprendre celui-là.
Ok, son animation, c'est de se renifler tout le monde. Intéressant. Votre camarade vient de prendre ses quartiers dans une cellule d'Albion. C'est devenu aussi horrible que ça, les loyers à Londres. Ouais, mais ça risque pas de m'arriver à moi, hein. Hein? Je crois que toutes ces péripéties ont convaincu notre nouveau copain Hamish que la collaboration est de mise pour se débarrasser de Cass. Il accepte de faire équipe avec nous. Déjà ça. Alors, on va aller voir un peu les missions secondaires. J'ai réussi à m'enfuir, mais c'était chaud. Je vous crois maintenant. Alors écoutez-moi bien. Nigel prépare quelque chose. Et je pense pas pouvoir l'arrêter tout seul. Si Deadsec est fidèle à sa réputation, va falloir m'aider. On peut collaborer surtout. Nigel Cass a sûrement été mêlé aux attentats. Qu'est-ce qu'il pourrait bien prévoir de pire maintenant ? Non. Il est pas comme ça. Enfin, pas vraiment. Nigel, son truc, c'est de jouer les héros. C'est un arrogant, mais pas un cynique. Chaque fois qu'on allait quelque part, il voulait résoudre les problèmes avec une police robotisée ou une moissonneuse automatique, un machin du genre ou je sais pas quoi. Pour lui, la société est un problème technique. Et les gens sont des bugs dans le programme. On doit les contourner ou les éliminer. Désolé, mais je dois changer de proxy pour pas me faire repérer. Je vous recontacte en vocal. Une mission d'infiltration, chouette alors, j'en rêvais. Procédons dans l'ordre. Nous devons épier une cible surprotégée, alors je vais dresser une liste des talents requis pour nous constituer une petite bande de rebelles. L'Itam, il nous a dit A++ BN. Ah, je sais. Ah, ok. C'est pas des vestes pour femmes par hasard? Ouf, ça peut faire pour les deux. C'est juste qu'elles sont sacrées quoi. Ouais, ça peut faire pour les deux. Autant être bien classe. Ça par contre, c'est pour femme ça. Un peu, ouais. Ouais, une veste costard, on voit pas la différence, hein. Mais blanc, tu vois du blanc quoi. Attends, y'a un autre magasin là. Attends. Ça c'est pour homme ça. Mais elles sont pas aussi jolies. J'aime bien le blanc. Tu peux te pousser, connasse, ou... Sérieux? En fait, le problème avec la veste, c'est qu'on dirait que t'as un gros ventre, puis que, tu sais, je sais pas. On va rester comme ça. Attends, les lunettes, putain. On va voir s'il y avait des lunettes. Non, y'a pas de lunettes, ils vendent pas de lunettes. Je suis sûr, vous vendez quoi. Allez, on va s'habiller comme ça. Ah, on est classe là. Faut toujours être classe. C'est la coupe du veston. De quoi? Le veston qui me dérange en fait. C'est la coupe. C'est bizarre. Après, si tu veux, on se fera des Far Cry 5. Ok. Je vois si t'as joué et tout, si est prêt, puis si je suis prêt à jouer en ultimito. Là, moi je devrais faire juste la première partie, puis après on commence. Ouais, c'est ça, moi ça m'a pris à peu près 40 demi-heures, je pense, ça m'a pris à moi. Ah, d'accord, ok, quand même. Ouais, mais bon, c'est à toi quoi. Mais c'est comme toute une première mission en fait, mais une fois que tu le sais, ça va être facile pour toi. Attends, c'est là, hop, j'ai pas vu. Pardon madame, poussez-vous, allez pousse-toi connasse voilà. Ah bah non, c'était pas là. Bon, on va essayer d'entrer par là. T'as pas idée ma petite dame comment je suis dingue. La tour de Londres? Elle rigole pas avec la sécurité là-bas. Moi franchement je veux bien aider mais Nigel est sur ses gardes là. Avec toutes les caméras CTOS, il m'identifierait en moins de deux. Je veux pas risquer ma belle gueule pour toi.
Il nous faut quelqu'un de chez Albion que l'on puisse retourner. J'ai contacté quelqu'un qui bosse dans un pub, pas très loin de là. Quoi de tel qu'un pub pour trouver un anti-héros amer et déçu, anesthésiant sa conscience par la boisson et caressant secrètement l'espoir d'une sainte rédemption. J'ai expliqué la situation à notre contact et elle est près d'ici. Ah bah dis donc. Bien évidemment, je me suis donc du coup, je suis tombé pour... Alors, rencontrer... Allez, rencontrer le contact, d'accord. Bon. Putain, bonjour madame. La forme toi ? C'est clair que vous savez bien choisir vos cibles, vous. Vous savez que c'est le quartier général d'Albion, ça, rassurez-moi. C'est pas mon idée, figure-toi. Mais Nigel Cass organise une grosse réunion là-bas. On pense qu'il est sur le point de dévoiler un bon gros projet bien tordu, et j'ai pas prévu de le laisser faire. Enfoiré de Nigel Cass. T'as raison, ça sent mauvais. Heureusement que tu bosses dans un pub, t'entends plein de trucs. Et dans le coin, je peux te dire que certains membres d'Albion sont excédés par le statu quo. Je suis sûr qu'on pourra en convaincre un de changer de camp. J'ai même déjà quelqu'un en tête. Intéressant. Envoie-moi ces infos. Je te ferai passer les infos par Bagley. Bonne chance à toi. Nous avons repéré quelqu'un au sein d'Albion qui pourrait être recrutable. On est vraiment obligé de recruter quelqu'un de chez Albion ? Ils en tiennent tous une couche là-dedans. Ce sont des bandits en uniforme qui abattent régulièrement des civils. Si vous ne trouvez pas un employé désenchanté, l'humanité se porte définitivement plus mal que ce que je pensais. Il nous serait également assez utile d'avoir quelqu'un de l'intérieur. C'est votre expérience personnelle ? J'ai pas vraiment envie d'en parler, à vrai dire. Oh non, merde. Oups, désolé. Ah, bah lui il me plaît bien, lui, son uniforme. Tu sais ce qui est vraiment dégueulasse ? Si tu t'arrêtes pour me taper la discute, ils vont te ficher. Mais on peut pas accepter ça. Tu fais partie de DeadSec. J'ai besoin d'aide. Ouais, peut-être. Il s'agit de quoi ? Voilà, un de mes amis a cette maladie, là, avec un nom super compliqué. Et tu connais l'état du NHS ? Il pouvait pas grand-chose pour lui. Il a été forcé d'aller voir un médecin qui est, comment dire, un genre de charlatan. Potentiellement lié au clan Kelly. C'est moi qui lui ai avancé l'argent pour le traitement. Continue. Eh ben, les médicaments ont marché. Trop bien même. Et une fois que mon pote a été bien accro, le pourri de médecin a augmenté les prix. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est à gerber. T'inquiète, on va lui trouver ses médocs. Ok. Et trouver ses médocs du coup. Mission de recrutement commencée. Ah, attends, il y a un autre truc là. Dites donc, ce médecin, avec de gros guillemets, est un vrai winner. Il a perdu le droit d'exercer pour faute professionnelle l'année dernière et opère à présent pour la mafia. Très demandé comme bonhomme. Tu crois que tu peux tracer sa position, Bugs ? Je trace la position de tout le monde en permanence, figurez-vous. Je vous transmets ses coordonnées. Alors là, donc on est là, il faut qu'on aille ici. Ah ouais, bah ouais.
Dangereux juste par la conduite, pas par les armes. Et what? Mais ma vie n'est pas loin. Chef? Ouais. Ça va, j'ai revérifié, puis moi je suis rendu à autre en peu joint quoi sur Far Cry. Ça roule. Le médecin du clan Kelly que vous recherchez est tout près de vous. Et on dirait qu'il a un ordinateur portable sur lequel on devrait trouver un dossier listant tous ses crimes. Ça va être difficile de passer par là. Impeccable. Ouais, il est bien du clan Kelly, le monsieur. Mettez-vous en lieu sûr le temps que j'analyse les données. J'ai trouvé l'entrepôt où les gangsters gardent leur drogue expérimentale. Je suis sûr que Mary Kelly ne vous en voudra pas trop si vous lui piquez quelques boîtes. Espérons-le. Voilà un fourgon. Ok. On est où? Ok, on est là. Et ben, je suis intervenu parce qu'il allait buter le civil. Mais bon. Négatif. Encore aucun signe de la cible. Merde. C'est là-dessus. Notre cible est là. À vous. Comment ça, notre cible est là? Ouais, d'accord, ouais, tu sais. Je suis sous le pont, le mec il me voit. Tu m'expliques là. Voici, on rentre au QG, à vous. Ok, ça va. Tac, tac, tac. T'as vu le film Ocean Eleven? Non. Ah d'accord.
Je détecte un véhicule à proximité avec au moins 2 ans de traitement à l'intérieur. C'est plus qu'assez pour sevrer convenablement l'ami de notre contact. Ok, c'est bon. Voilà le véhicule avec les produits. Tâchez de ne pas le détruire. Oh, c'est quoi ce délire? Mais... Il n'y a pas de piège. Ouais. Ah non. Je croyais que c'était un mec, mais non. Ok, vous êtes... Je suis à l'ouest moi aujourd'hui. Il est interdit de flinguer ? Quoi, t'as pas le droit de flinguer les gens ? Mais il est nul ton jeu. J'essaie de trouver une faille. Sans affrontement, ça va être compliqué. Merde, je suis trop con. Alexis, tu fais ton boulet là. Qu'est-ce qui s'arrive? Allez, c'est drôle. T'as même un masque pour le corona? C'est un masque de protection faciale. Ah, un masque antifacial, ok. Viens vers moi, viens vers moi. J'en ai ma claque, t'es trop con pour moi. Ok, bon. Passe au plan B. Putain, elle court la grosse, hein. Ok, ça va. Bon, on a le véhicule. Et maintenant? J'ai trouvé un endroit sûr où notre contact pourra venir le chercher. Je vous envoie les coordonnées. La veille deviennent ceux du lendemain.
lendemain, puis du surlendemain. Ne laissez pas votre sommeil vous tourmenter. La solution pour retrouver la sérénité. Carcani, dormez mieux. Mission accomplie. Notre IA va te faire parvenir. Ah, ça c'est bien, putain, on a des. Où sont stockés les médicaments. Ton ami va aller mieux. Ah, regarde des trucs comme ça là. Ok. Couleur militaire. Pas contre moi, hein. En général, pour d'être sec. Ok. Je suis avec vous. Ah, elles sont affreuses ces chaussures. Nous avons quelqu'un de chez Albion dans nos recrues. Allons lui dire que ses services sont requis. Vous avez prévenu un véhicule de patrouille. Terminé. Vous allez rire. J'étais en train de compter les troupes, comme à l'accoutumée, et figurez-vous qu'il y a quelqu'un de chez vous qui a complètement disparu. Ça pue le kidnapping. Merde. Oui, vous résumez bien la situation. En tout cas, peu de temps avant son enlèvement, je constate qu'un suspect lui filait le train. Un homme que vous avez maltraité il y a quelque temps. Retrouvez-le, c'est notre meilleur espoir de sauver notre agent. Facile, je m'en occupe. Lequel ? A disparu, Manuel. Il a disparu. Et on a lui, c'est un agent. Oh putain, il a une belle arme. Hein. Ouf, je sens que je vais essayer de le prendre. Plus on a de mecs qui envoient du pâté dans l'équipe, mieux on se porte, non? Merci. Paré au combat. Trop bien. Ok, donc on a un agent d'Albion, est-ce que ça va faire une différence ou quoi? La réunion de Nigel Cass ne va pas tarder à commencer. Rapprochez-vous de la tour de Londres dès que possible. Et il a une putain de grosse pâteuse, sache un torse. Ouais, ça c'est chouette. Alors, attendez. Parce que on a eu du coup un de nos coéquipiers qui est disparu. Mais qu'est-ce qui se passe? Notre potentiel recrue essaye de nous joindre. Je vous passe votre nouvel ami. T'as qu'à nous rejoindre. DedSec a besoin de plus de combattants comme toi. Ça va, on a une voiture rapide au moins. Nous avons appris aujourd'hui que Whitehall était de connivence avec des organismes visant à enrichir un groupe de fonctionnaires en détournant des fonds publics destinés à aider les barrages traversés. Je répète, l'individu a traversé un barrage. Tout savoir. Ok, c'est bon. Le
Le kidnappeur est dans la zone, en compagnie d'autres personnes louches. Vous devriez pouvoir localiser notre agent kidnappé sur son optique. Ils sont classe les tenues des kidnappeurs. Enfin bon, on est un mercenaire d'Albion, donc ça va, mais... T'es en train de casser la gueule à une femme ? Oh non, ça. Attends, là on est dans la merde. Arrêtez putain! Oh, je suis en train de me faire tabasser! Ça vous apprendra, bande de connards! Putain, ça tourne pas! Bah oui, t'as des voitures qui spawnent en plein milieu d'un parc.
Centrale, je ne vois plus la cible. En attente d'instruction. Attends, pas de bêtises. Est-ce que d'autres cibles sont en visuel? Merde, ça fait pas du bien! J'aime bien tout son arme. Il y a pas mal, hein. On se lance après la cible. Ouais, je trouve. C'est beaucoup de gens. Ah, ça me gonfle. Pour info, on lance la poursuite. Ah, elle avance plus. L'individu a quitté son véhicule. Ah, j'aime faire crever. Ah d'accord, c'est des tourelles montées sur barrage. Ah oui. C'est pire que l'Afghanistan ici. Oh, il vient de flinguer le civil devant moi. Allez, tire! Ah merde, j'ai plus de balles! Ah merde, ouais, bah. Ouais, bah ça, voilà quoi. Donc, oui, il a été arrêté malheureusement. Là, lui il est sorti. Ok, bah de toute façon on va s'arrêter là pour notre let's play de Watch Dogs et puis on se retrouve du coup après sur Far Cry 5. Far Cry 5, voilà. Pourquoi Far Cry 5? Bah parce que voilà, comme ça. Donc voilà, allez, à tout de suite les amis, et voilà, à tout de suite, c'est tout.